أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله سيدنا محمد وتخطي الطائرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله قاتليك يا رحمة واسعة وباب النجاة الأمة سيدي يا حسين يا حسين يا حسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه ساعة وكل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك توان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Toujours la suite de Fiqh Imam Sadiq alayhi salam, la lecture du tome 4, puisqu'il n'est pas disponible en PDF, c'est très rare, et en livre, je ne l'ai jamais vu. Et là, je vais vous traiter avec vous du sujet des parties illicites d'un animal licite à la consommation. Ça va être une vidéo assez succincte et je vais revenir à différents avis des ulama, même si en règle générale, ils sont d'accord juste sur un point que apparemment les savants anciens ont cité comme étant illicite et les savants de nos jours ne le citent pas. Je commence donc la lecture de ce que dit Cheikh Mohamed Jawad Marnia sur cette question. Les avis des jurisconsultes divergent à propos du nombre des parties illicites d'un animal qui a été égorgé conformément à la loi islamique. Certains ont dit qu'elles sont au nombre de 8. El-Shawid Shahid al-Sani, rahmatullah alayh, a dit qu'elles sont au nombre de 9. Quand Shahid al-Awal, il a dit dans son ouvrage El-Lumar, El-Luma Dimashqiya, comme vous connaissez très bien, les parties illicites d'un animal égorgé conformément à la loi islamique sont au nombre de 15. Ça, c'est dans l'Uma Dimashqiya, la page 237. Ces 15 parties sont le sang, qui sort habituellement de l'animal après lui avoir tranché la gorge. Là, c'est le sang qui a été éjecté. Le sang d'un animal égorgé qui est à l'intérieur du corps de l'animal, illicite. Donc ça, c'est son sang qui est sorti, qui a giclé. On ne peut pas le consommer. Deuxièmement, la rate. On a rapporté dans un hadith d'Alul Bayt alayhi salam que l'imam Ali alayhi salam interdisait la consommation de la rate. Alors un boucher lui a dit un jour, il n'y a aucune différence entre le foie et la rate. Et l'imam Ali alayhi salam lui a dit, c'est faux, tu mens, apportez-moi deux récipients remplis d'eau. Et lorsqu'ils lui ont apporté, il leur a dit, coupez en deux le foie et la rate et mettez-les séparément dans les deux récipients. Le résultat était le suivant, l'eau dans laquelle on a mis le foie n'a pas changé de couleur, et dans celle à laquelle on a mis la rate, a pris la couleur du sang. Wasail al-Shira, le volume 24, page 271. Troisièmement, la verge, l'organe d'accouplement mâle. Les deux testicules. Sincèrement, c'est courant. C'est courant de manger les testicules du mouton ou autre. Et ce n'est pas licite. Cinquièmement, le contenu du rumen. Rumen, c'est le premier estomac des ruminants, dit aussi panse ou herbier, d'après l'auteur de Jawahir. Donc Jawahir, c'est Mohamed Hassan Najafi, Jawahir al-Kalam, volume 36, page 342. Il a dit, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu'il est interdit de manger ces cinq choses. Donc là, vous allez voir, c'est très étonnant, parce que les savants contemporains ou récents, Mutarikhin, qu'on dit, donc il y a les Muqaddimin Mutarikhin, et ben vous allez trouver qu'il ne cite pas le rumen. Peut-être que maintenant, de nos jours, et depuis peut-être plusieurs siècles, personne ne le consomme. Mais sinon, le rumen fait partie vraiment des choses clairement interdites. Et vous allez voir que toutes les références que je vais vous donner par la suite ne le citent pas. Sixièmement, la vessie. Septièmement, la vésicule biliaire. Huitièmement, le placenta. Neuvièmement, la vulve. Dixièmement, les deux gros nerfs qui s'étendent du cou jusqu'à la queue d'une bête. Onzièmement, la moelle épinière, les glandes. Douzièmement, Dad el-Ajaji. Dad el-Ajaji, c'est les phalanges inférieures des doigts de certains animaux, comme les oiseaux ou la racine des sabots de certaines bêtes. 4. Karazat el-Dimar. Ça, c'est une graine de la grosseur d'un petit pois qu'on trouve dans le cerveau d'un animal. Généralement, il me semble, si de mémoire, qu'il est jaune.
Elle est jaune. Cinquièmement, quinzièmement, la pupille de l'œil. Et Shahid Hassani a dit, parmi ces 15 choses, celles dont on est sûr qu'elles sont illicites sont le sang, la rate, le contenu du rumen, la vulve, la verge, les deux testicules, la vessie, la vésicule biliaire et le placenta. Vous voyez, il cite encore d'une manière sûre le contenu du rumen qui n'est pas cité par nos savants contemporains. Quant aux autres, rien ne permet de dire qu'elles sont illicites et la règle exige de ne pas considérer comme étant illicites. Certes, les hadiths permettent de dire qu'il est déconseillé de les manger. Ça, c'est Iraddat al-Bahiyya, volume 6, page 310. Là, vous allez voir que même s'il dit cela, et Shahid Hassani, d'autres ulama disent que les 15 parties, les 14, parce que le rumen, il ne le cite pas, les 15 parties, 14 parties, tout ce qu'il a dit, que même certaines qui seraient éventuellement déconseillées, il considère que c'est illicite. Et certains, il y a une précaution obligatoire, notamment Seyyed Sistani, sur une partie que je vais revenir là-dessus. Et Shahid Hassani veut dire que les hadiths où ont été cités les autres choses ne sont pas authentiques. Mais il n'y a aucun mal à s'en servir de preuve pour dire qu'il est déconseillé de manger ces choses-là. Quand il dit sont pas authentiques, s'il parle de la chaîne de transmetteurs, il y a la, vous savez très bien qu'il y a la règle de Tasamuh fi Adillat as-Sunan. À chaque fois, je connais la traduction correcte, que peu de gens le connaissent. Ah oui, la tolérance sur les preuves de la Sunna, qui fait que normalement, même si la chaîne de transmetteur ne serait pas correcte, on peut considérer ça comme makruh. Sur les Sunnan, qu'ils soient les makruh ou les mustahabbat, on n'est pas regardant sur ces sujets-là. Parmi les hadiths à qui a fait allusion est Shahid Hassani. On retrouve celui où l'imam Sadr alayhi salam a dit 10 parties du mouton ne doivent pas être consommées. Le contenu du rumen, le sang, la rate, la moelle épinière, les deux gros nerfs qui s'étendent du cou jusqu'à la queue, les glandes, la verge, les deux testicules, la vulve, la vésicule biliaire. Voici le Shira, volume 24, page 272. Là, vous voyez très bien que là, en plus des 5, il y a qui sont illicites clairs, il y a 10 parties. Et c'est pour ça que Shahid Hassani a dit que, mis à part combien? Le sang, la rate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mis à part 9, on peut considérer qu'il est déconseillé de les manger. Ça, c'est l'opinion de Shahid Hassani, donc l'opinion d'un savant, comme vous savez très bien, ancien. Dans ce livre, La nourriture licite et illicite, un petit livret, hein, aux éditions BA, c'est exactement la même chose. Sauf que le rumen n'est pas cité. En réalité, le rumen n'est pas cité, par aussi par Seyed El-Khoui, Seyed Sistani et le savant qui s'appelle Fani Isfahani, que je vais, qui n'était pas connu, que Abbas El-Bostani avait traduit en entier. D'ailleurs, c'est la seule Risala Armaliya que nous avons en entrée, en entier, avec une autre Risala que je ferai un conseil de lecture prochainement sur ça, de Mohamed Taqi El-Mudarrisi. Un marja contemporain, comme vous le savez très très bien. Elle a été éditée depuis 2019 et je suis vraiment étonné, vraiment en français, que nous n'avons pas de Risala. En réalité, nous n'en avons pas. El-Mudarrisi, bien entendu. Bon, beaucoup de gens ne vont pas faire son taqlid. Et ce que nous avons de Seyyed El-Khoui, rahmatullah alayhi, ou Seyyed Sistani, ce n'est pas une Risala. C'est Bostani qui a dit apprécier des principaux décrets des jurisconsultes, dont Seyyed El-Khoui en premier lieu, le guide du musulman, dont Seyyed Sistani. Donc j'aimerais bien savoir comment nous, en langue française, quelqu'un peut parler de taqlid, sauf s'il contacte tout le temps un cheikh. Et ça arrange bien, très très bien. Moi je vois des fois c'est une politique pour que on soit toujours dépendant de ces gens. Par exemple, il est connu que la risala de Seyyed Mohsen El-Hakim est tellement compliquée. Normalement, la risala a pour but qu'un muqallid revient sur ses fatwas à travers son livre. Bon, après, il y a d'autres moyens de consulter un shir, vous savez très bien, maintenant il y a Internet, etc., etc. C'est tellement compliqué qu'en vérité, on a besoin d'un shir pour nous expliquer les termes. Certaines personnes, mais je ne prends pas la responsabilité de cela, certaines personnes nous diront que c'est volontaire tout cela. À la kulli hal. Fani Isfahani, c'est la même chose. Donc le rumen n'est pas cité. Personne ne connaît ce marja. J'avais demandé à quelqu'un, un ami iranien, il m'avait dit que c'était un savant. Il était très étonné de le connaître. Et lui, comme quoi il avait été traduit. Je vous dis ça remonte facilement à 25 ans que je lui avais dit cela.
Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Fanny, Fanny, il avait eu la particularité de décéder le même jour, pile, que Seyed Khomeini. C'est-à-dire, Seyed Khomeini est décédé, je ne connais pas la date de l'hégire, mais c'est en 1989, au mois de juin, si je ne me trompe pas, le 6 juin, si je me trompe. En tout cas, au mois de juin 89, Fanny Isfahani est décédée en même temps. Donc Fanny Isfahani ne dit rien de particulier. Il dit, pour lui, il n'y a pas de Ertiyat, contrairement à Seyed Sistani ou Seyed El-Khoui. Seyed El-Khoui, il émet l'hypothèse, mais il ne cite pas qu'est-ce que par Ertiyat, pour lui, c'est illicite. Les 14 parties sont illicites, à l'exception du rumen qui n'est pas cité. Le rumen, encore une fois, peut-être que personne ne consomme. C'est peut-être pour cela. Parfois, il y a des. Il y a des, il y a dans les Risale al-Mali, il y a des avis parfois qui ne sont pas cités. Comme je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons, vous savez très très bien que dans la prière, la salat, dans les récitations de la sourate, dans les sourates, nous ne devons pas citer, par exemple, sourate al-Fil, parce que sourate al-Fil est reliée à Quraysh. C'est pour ça que quand on cite. Non, pardon, je me suis trompé. Sourate al-Fil, si on la récite dans la salat, on doit forcément tout de suite après, dans la même salat, puisqu'elle n'est pas considérée comme une sourate entière, sourate al-Quraysh. C'est la même chose pour sourate al-Nashra. C'est sourate al-Duha, si je ne me trompe pas. Je ne me rappelle plus. En tout cas, ces sourates-là qui sont petites, donc c'est facile à retenir le hukm. Une seule sourate dans la Fatiha, elle n'est pas suffisante. Il faut citer les deux sourates pour que ça fait une sourate entière. Donc, sourate al-Fil, par exemple, sourate al-Quraysh. Et je pense que c'est vraiment Doha. Et après, Alam Nakash, c'est-à-dire, nous n'avons pas ouvert la poitrine, qui sont considérées comme une seule sourate. Et il y a d'autres sourates comme cela, mais personne ne les cite dans les risalas, car en réalité personne ne le fait. C'est vraiment pas une habitude chez les chiites de réciter dans la salat des sourates très très longues. Sourate El-Anfal, elle n'est pas considérée comme une sourate seule dans la récitation du Saint-Coran. Il faut réciter obligatoirement sourate El-Bara, ou bien appelée aussi sourate Tauba. C'est le même titre. Mais comme personne ne le fait, il n'est pas cité. Il est cité uniquement. Comme je vous ai dit, sourate al-Fil et Quraysh ensemble, et sourate Doha, et sourate Doha, il faudrait vérifier quand même. Sourate Doha, d'ailleurs, je peux réciter, même si c'est vraiment une parenthèse, je vais vous le citer tout de suite très très rapidement, puisque j'ai donné cet exemple pour dire que parfois, dans les Risale al-Maliya, ce n'est pas indiqué des choses qui ne sont pas appliquées. Donc peut-être que le rumen, donc ce qui est à l'intérieur, donc ce qu'il a consommé l'animal, peut-être que. C'est la même chose, il n'est pas cité parce que personne ne consomme actuellement. Donc il n'y a pas une question de licite ou illicite, elle existe cet avis, il existe cet avis, mais de toute façon, personne ne le fait. Je vais essayer d'arriver rapidement, vraiment je ne voudrais pas traîner sur cet exemple. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa laj'al farajahum wa la'anadahum. Il faut que je trouve les récitations. Normalement, c'est ici. Il n'y a pas de. De toute façon, vous pouvez revenir vous-même. Mais de toute façon, comme là, on est à 13 minutes et que la vidéo est très très courte, j'ai bientôt terminé. Inch'Allah, ça ira. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le trouver, alors que en réalité, à chaque fois qu'on. Je vais essayer d'aller dans les actes obligatoires de la prière. Normalement, il y a les. Ah, voilà. Non. Normalement, la récitation. Voilà. Voilà, c'est exactement comme je vous avais dit. Donc, sourate Doha, et tout de suite après, sourate Al-Inshira, qui va ensemble pour une seule sourate. Et sourate Al-Fil, comme je vous ai dit, sourate Al-Quraysh. Je me suis bien rappelé que c'était sourate Doha. Donc, voilà. El-Anfal et le Bara, c'est aussi pareil, c'est pas indiqué dans la Risale al-Maliya parce que c'est quelque chose qui n'est pas appliqué. Concernant Seyed el-Khoui, donc sur ces parties-là de l'animal, il cite exactement pareil. Elle est 14, sauf qu'il dit que pour certaines, il y a précaution obligatoire sans le préciser. Sans préciser par rapport au livre que nous avons, car le livre de Boustani n'est pas la Risale al-Maliya de Seyed el-Khoui, rahmatullah alayh. C'est l'abrégé. Nous, très souvent, on le prend comme ça. Donc, encore une fois, ça démontre encore que nous n'avons pas
que c'est très très pauvre, nous n'avons pas de Rissala, mis à part la Rissala de Modarissi que très peu de gens connaissent, que je viens de découvrir alors qu'elle existe depuis 2019, et Fanny Isfahani que personne connaît, le Bostani n'a jamais édité, je ne sais même pas comment j'ai fait pour avoir les photocopies, on n'ai aucune souvenance. Concernant Sayed Sistani, là il va décrire qu'est-ce qui est par précaution obligatoire. De toute façon, sa précaution n'a pas lieu d'être. Car si d'autres ulama, comme vous avez très très bien, qui sont marja comme lui, ont dit que c'était illicite, soit on applique sa précaution et donc on va s'abstenir, soit on va revenir aux d'autres marja qui l'interdit totalement. Donc c'est juste de pure forme, on peut dire. Même si dans la, vous avez vu, Shahid Hassani, il parle de 5, il parle aussi de 8, mais après pour le reste, ça serait déconseillé. En tout cas, si quelqu'un est dans la base, dans le sujet du taqlid, de nos jours, il ne peut pas se baser sur l'avis de Shahid Hassani pour déterminer que dans ces 14, il y a certains qui seraient déconseillés et non pas interdits. Donc Sayed Sistani ne cite pas encore une fois le rumen, donc ce qui a été ruminé, qui existe dans sa panse de l'animal. Lui, il dit le sang, l'excrément, les parties génitales mâles, les parties génitales femelles, la matrice, les testicules, les glandes, l'hypophyse, Rizat ad-Damar. Par précaution obligatoire, les deux grands nerfs jaunes qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière, la moelle qui se, dixièmement, la moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale, la vésicule biliaire, la rate, la vessie et le globe oculaire. Donc là, vous voyez très très bien. Donc là, l'irtiyad, si elle s'applique, il y a des relamas qui interdisent les 14 totalement. Donc soit on applique l'irtiyad de Seyed Sistani, pour ceux qui font taqlid de Seyed Sistani, soit on reste dans l'optique que ces 14 soient illicites, ou si on est dans les avis anciens, de dire que certaines parties seraient interdites. La prochaine vidéo, donc ça sera toujours le tafsir de Coran en audio, mais on sera dans les choses, les boissons interdites, Inch'Allah, qui sera une leçon assez longue. Aktafi bad al-qadr. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.